Salut tout le monde. Alors voilà, souvent au nombre des questions surprenantes et récurrentes que je reçois par Messenger, et une chose qui revient souvent, c'est à propos du sable. Alors sur la qualité du sable, sur ce qu'on doit choisir. Donc là, on est au bord d'une plage, hein, c'est un biotope typiquement récifal entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux mélanger plusieurs granulométries? Et ma raton, c'est toujours la même. Vous voyez, quand on mélange plusieurs choses, ce qui se passe, eh bien, les gros morceaux sont au-dessus et le sable fin, forcément, en dessous. Eh bien, dans un aquarium, c'est pareil. Le sable fin, il est en dessous et le grossier, la brisure de corail ou autre, ou du coquillier, au-dessus. Voilà. Ça, c'est la première réponse à vos questions étonnantes et surprenantes dans un lieu qui est plutôt sympa. Le reste à suivre dans un prochain épisode. Merci à tous, partagez cette vidéo. Donc n'oubliez pas, quand vous mélangez du sable, forcément le plus fin va en dessous et le plus gros au-dessus, dans la nature comme dans l'aquarium. À bientôt, partagez, likez notre page. Merci.